Politique. Et ce soir, nous recevons un homme politique de la place. Avec lui, nous allons aborder un certain nombre de questions liées à l'actualité de l'heure. Et vous le savez, depuis le 21 juin dernier, à l'issue du Conseil des ministres, les Gabonais découvrent des mesures dites d'austérité pour les uns, lesquelles mesures sont parfois rejetées, parfois acceptées. Après avoir reçu sur ce plateau même hier le syndicaliste de la dynamique unitaire, ce soir, je le disais tout à l'heure, nous recevons un homme politique de la majorité républicaine. Je veux dire, nous recevons sur ce plateau Guy Christian Mavioga, secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien. Avec lui, nous allons voir aussi le point de vue de l'homme politique sur ces mesures qui ne cesse de faire l'actualité tant sur le plan national qu'international. Monsieur Guy Christian Mavioga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation du plateau. Le politique pour parler avec vous ce soir, les mesures dites d'austérité. Et nous allons également parler un peu, bien avant les mesures d'austérité, les aborder de ce qu'il en est des élections législatives. Nous le savons tous, l'opération d'enrôlement s'est terminée. Nous attendons tous que la date de ces élections soit fixée. Alors, d'entrée comme ça, Monsieur Guy Christian Mavioga, autant pour moi, comment se porte aujourd'hui le Bloc démocratique chrétien sur l'échiquier politique national? Bien, d'abord, merci de m'avoir accordé donc quelques temps dans votre télévision. Le Bloc démocratique chrétien, BDC, est un parti politique de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence qui se porte à merveille, qui se porte très bien, qui est en train de faire son petit bout de chemin et qui est en train de préparer, comme tous les autres partis politiques, les futures élections dans notre pays. Et je crois que nous allons aller, en même temps que les autres, dans cette bataille électorale qui va peut-être nous donner la possibilité de rentrer à l'Assemblée nationale avec la grâce et la volonté de Dieu. Alors, Monsieur Guy Christian Mavioga, comme je le disais tout à l'heure, les élections législatives, la date n'est pas toujours connue, alors que l'opération d'enrôlement qui précède, bien sûr, cette élection a pris fin. Alors, au cours d'une interview que vous avez accordée à notre confrère de peuplinfo.com, vous disiez déjà qu'il faut jumeler les élections législatives et locales. C'est bien cela votre position en ce moment? Depuis la fin du dialogue que nous avons organisé à Ngondje, nous pensons, nous au Bloc démocratique chrétien, qu'il est nécessaire d'organiser des élections générales. Ces élections qui vont être jumelées, élections législatives, élections locales, pour permettre donc à l'État de faire des économies. Et nous pensons de plus en plus de faire cette organisation d'une élection générale depuis le 21. Quand nous avons vu le gouvernement prendre des mesures importantes pour essayer de faire des économies sur le plan financier. Alors, pour aller donc dans la même veine que le président de la République, nous avons estimé qu'il était utile, non seulement d'appliquer toutes ces mesures que nous applaudissons des deux mains, mais de pouvoir organiser des élections législatives en même temps que les élections locales pour dépenser moins. Et ainsi, nous allons pouvoir faire une pierre, deux coups, et les élections seront peut-être aussi une opportunité pour faire un peu d'économie en organisant en même temps les élections locales avec les élections Est-ce législatives. que ce n'est pas le contraire? Parce que un plan purement social, un enfant, il pèse, deux enfants, il pèse encore un peu plus fort. Alors, organiser une élection législative avec une élection locale, alors que l'élection législative elle-même, il y a déjà, je peux dire quoi, un budget conséquent qu'il faut mettre en place pour les organiser. Alors, Justement, si on fait deux à la fois, est-ce que ça va pas nécessiter plus de moyens? justement, 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 si on organise les élections législatives cette année et on organise les élections locales l'année prochaine ou en fin d'année, nous allons dépenser deux fois plus. Alors qu'en organisant une seule fois les élections le même jour, nous aurons la possibilité de faire des économies. D'abord, même pour les candidats, ils auront donc affaire, pour les partis politiques, à dépenser une seule fois pour deux campagnes, pour deux élections, une campagne pour deux élections. Et l'État aussi va pouvoir dépenser une seule fois pour deux élections. Donc, on fait des économies et ça rentre dans la même veine des mesures du 21 juin dernier pour faire des économies à l'État.
Alors, mais cette position que vous prenez là ce soir, c'est une position qui ne semble pas passer du côté, effectivement, des décideurs Ce n'est pas et de la grave. majorité. Nous sommes en démocratie. Depuis le dialogue, nous avons cette position. Nous avons la liberté de dire aux Gabonais ce que nous pensons. Nous n'avons pas la prétention de dire que c'est la meilleure idée. Mais nous sommes libres de dire ce que nous pensons. Et ce sont des Gabonais qui seront là en train d'apprécier ce que nous disons, si c'est tenable ou pas. Mais obéissez, le Bloc démocratique chrétien et son responsable que je suis, nous disons des choses dans ce pays. Nous sommes donc conscients que ces choses sont parfois partagées par certains et rejetées par d'autres. C'est ça la démocratie, c'est ça le jeu de la politique. Nous n'avons pas la prétention de dire ici que les Gabonais vont nous suivre. Nous n'avons pas la prétention de dire ici que les autorités, les plus hautes autorités du pays vont nous suivre. Mais nous donnons là notre point de vue, tout simplement, en disant qu'il est nécessaire, pour faire des économies dans notre pays, d'organiser des élections générales, et ça va faire du bien à notre trésorerie, ça va faire du bien à notre État de faire des économies, surtout au moment où l'État s'emploie à faire des économies en diminuant, par exemple, les salaires de ceux qui gagnent beaucoup trop d'argent. Et nous pensons naturellement que nous pouvons soutenir cette idée dans ces temps précis. Et le BDC va participer? Est-ce que Le le BDC va présenter un candidat? BDC a une trentaine de candidats. Et si nous partons aux élections locales, ça va aussi être entre 30 et 33 listes. Et nous pensons naturellement que c'est suffisant pour notre modeste parti politique. Et nous espérons être présents prochainement à l'Assemblée nationale. Et le BDC est déjà même représenté au niveau des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Dans le Wallentem, nous avons 8 sièges, parce que nous avons 5 sièges, nous avons 5 conseillers départementaux dans le Grand Nord, et nous avons dans l'Estuaire 3 conseillers municipaux. Et nous pensons que aux prochaines élections, nous allons améliorer le nombre de nos élus par les élections qui vont pouvoir arriver. Et comment sont les rapports entre le BDC et la majorité républicaine? Le BDC est un parti politique de la majorité républicaine et sociale. Le BDC se porte très bien dans cette majorité. Le BDC a peut-être perdu son positionnement de porte-parole. Nous sommes déchargés donc de cette fonction de porte-parole de la majorité. Mais le BDC est bel et bien ancré dans la majorité et compte jouer un rôle important dans cette majorité républicaine et sociale, parce qu'on ne peut pas se diriger. Nous estimons que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, c'est le président que Dieu a bien voulu nous accorder, et nous avons pris l'engagement depuis 2009 de soutenir jusqu'au bout Ali Bongo Ondimba, quelles que soient des positions ou des postures des uns et des autres. Nous ne sommes pas intéressés par ce que racontent, ce que veulent raconter les gens ou par ce que font les gens. Nous sommes intéressés par des choses. D'abord, Et vous n'êtes pas parti politique gazelle de cette majorité? mais je ne pense pas que les gazelles se transforment en éléphants. Donc, si une gazelle peut se transformer en éléphant, ceux qui traitent les autres de gazelles ont donc raison de traiter les autres partis politiques de gazelles. Maintenant, comme je sais que les gazelles ne se transforment jamais en éléphants, vous pouvez nourrir une gazelle, elle ne va jamais se transformer en éléphant. Je pense que si on est un peu sérieux, on peut dire éléphanto, mais pas gazelle. Mais je voudrais dire, ce qui m'intéresse dans la majorité, c'est tout simplement le projet de société du président de la République et le président de la République lui-même. Le reste, c'est du pipeau. Le plus important, c'est de mettre en musique le rêve du président de la République qui souhaite voir les Gabonais heureux. Et la question que nous nous posons au BDC, est-ce que les gouvernements qui ont suivi ont compris la vision du président de la République? Est-ce que ces gouvernements avaient la capacité nécessaire de rendre les Gabonais heureux? Nous disons au BDC, non, pas du tout. Les gouvernements qui ont succédé, qui se sont succédés, ont royalement échoué. Et nous pensons que le président doit donc reprendre la main pour redonner confiance au peuple gabonais pour un nouveau départ, parce que lui-même, il a dit, il sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Donc, notre travail consiste à faire en sorte que les Gabonais deviennent heureux pour que Ali devienne lui
heureux. Alors que monsieur le président du BDC, ouais. Monsieur le secrétaire exécutif du BDC, est-ce que vous avez dans l'impression aujourd'hui que les Gabonais sont réellement heureux? Ah non, être dans la majorité ne veut pas dire que nous sommes aveugles. Être dans la majorité ne signifie pas que nous sommes sourds. Être dans la majorité ne signifie pas que nous sommes muets. Nous vivons avec les Gabonais, nous pensons que les Gabonais sont à genoux et nous devons nous mobiliser autour du président de la République pour faire en sorte que les Gabonais se lèvent et vivent et que les grincements des dents cessent. Car nous sommes au pouvoir pour résoudre les Gabonais. Que doit faire le président dans ces conditions? Mais déjà, le président a une vision, un programme. Et avec ce programme, il se rend compte que les différents technocrates appelés à servir la République n'ont pas pu servir correctement la République. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène aux mesures du 21 juin. Parce que tout simplement, toutes les relances économiques, Je ne sais pas. Vous savez, prenons un exemple. Vous rencontrez une femme, elle est toute belle, vous l'épousez, vous l'amenez chez vous et vous constatez les dégâts. Donc ça peut aussi arriver que le président, en regardant les... Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens en fonction forcément des CV. Les technocrates qui sont appelés à servir le pays, au lieu de servir le pays, se sont servis du pays et ont trompé le président de la République. Et maintenant, nous devons être vigilants pour essayer de rattraper le temps perdu de manière à ce que le passé soit le passé pour une nouvelle espérance dans le cœur des Gabonais qui ne veulent rien d'autre qu'une paix, une paix intérieure. Car Omar Bongo nous a dit, ne faites pas du Gabon ce que vous êtes en train de faire, car un jour Dieu peut nous sanctionner. Et les Gabonais attendent tout simplement que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont aux commandes du pays, respectent la volonté du président de la République, les projets du président de la République et mettent en musique ce que souhaite le président de la République. Et quand ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils aient le courage de dire tout simplement « Monsieur le Président, merci pour la confiance, mais nous n'avons pas été capables de suivre. » Et malheureusement. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général exécutif du BTCR, c'était juste une parenthèse. Nous allons rentrer proprement dit dans le sujet qui nous réunit ce soir, à savoir les mesures d'austérité, des mesures de redressement des finances publiques nécessaires pour relancer et retrouver les équilibres macroéconomiques objectifs, donc réduire la masse salariale. Alors, ces mesures sont connues de tous les Gabonais à l'issue du Conseil des ministres du 21 juin dernier. Et ces mesures, dans un camp comme dans un autre, sont parfois rejetées, parfois acceptées. Alors, la position du Bloc démocratique chrétien face à ces mesures est laquelle? Le Bloc démocratique chrétien approuve ces mesures ou alors que le Bloc démocratique chrétien trouve qu'il y a eu entorse à la procédure avant d'arriver à ces mesures? C'est quoi la position de votre formation politique? Notre formation politique, le Bloc démocratique chrétien, applaudit de deux mains et même de deux pieds les mesures du 21 juin dernier. Cependant, le BDC émet quelques réserves sur une seule mesure, celle qui consiste à mettre en retraite des Gabonais qui sont malades. Nous disons, pensons à un Gabonais qui a 40 ans, 30 ans ou 50 ans, qui est malade et qui n'a pas payé la maladie. Vous le mettez immédiatement en retraite, à la retraite, et que ce monsieur ou cette dame qui est chef de famille monoparentale, par exemple, a des enfants à bas âge, et qu'il arrive à soutenir malgré sa maladie, à cause de son salaire, quand vous le mettez donc immédiatement à la retraite, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Alors vous tuez sa progéniture, vous tuez toute une famille, dans la mesure où notre État est un État social qui s'appuie dans la Constitution, parce que la Constitution reconnaît que notre Gabon est un État social et nous sommes des Bantous. Donc la civilisation ou les civilisations Bantous amènent à une certaine solidarité et nous devons être solidaires. Si nous sommes plus solidaires autour de quelqu'un qui est malade, il n'y a plus d'État. À ce moment-là, il faut donc revenir sur cette mesure. Mais pour toutes les autres mesures, nous applaudissons dès demain. Je dis même encore, nous applaudissons. Y compris les mesures d'interdiction des concours ou les mises en stage. Mais écoutez, on part d'un constat simple. Nous avons eu une vision, nous avons eu un programme. Nous avons appelé des Gabonais, le chef d'État a appelé des Gabonais à des responsabilités diverses. Ces Gabonais ont échoué.
Ils sont Gabonais ont joué sur beaucoup plus sur la relance de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président constatant que ces Gabonais-là ayant échoué, mais qu'il faut tenir le pays debout, il faut le gérer et il faut l'amener un peu plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais faire en sorte que je puisse réduire la masse salariale. Et surtout que nous sommes en train de faire un travail avec le Fonds monétaire international, je vais réduire la masse salariale pour être dans des proportions acceptables par rapport au quota qu'un pays devrait avoir. Je dois donc tout faire, au lieu de vivre, aller endetter nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui sont déjà endettés par des programmes qui étaient là pour aller chercher de l'argent à tout vent, n'importe où. Le président dit, aujourd'hui, là, faisons des efforts considérables pour que notre pays change de paradigme. Je dis, pour revenir sur votre question au niveau de l'arrêt 1 des embauches, mais l'État ne doit pas embaucher tous les Gabonais. Dans quel pays vous avez vu la fonction publique embauche tous les Gabonais? Laissez-moi terminer. Le secteur privé peut jouer un rôle important. Ce qu'il faut dire ici, c'est que l'État doit accompagner le secteur privé de manière à ce que les autres Gabonais soient capables d'être absorbés par le secteur privé. La fonction publique ne peut pas forcément prendre tous les Gabonais pour le travail. Vous dites secteur sensible, prenons la santé. Nous n'avons pas besoin, nous avons connu ici. Oui, prenons la santé, un secteur sensible. Nous n'avons pas forcément besoin que tous les médecins aillent à la fonction publique. Nous avons vu des médecins qui travaillaient à Jean-Ébori, qui travaillent dans d'autres structures, à Polygamba, et ces médecins-là sont dans des structures privées et qui gagnent peut-être même leur vie mieux que des médecins qui sont à la fonction publique. Qu'est-ce qu'on fait? L'État doit accompagner le secteur privé. L'État doit soutenir le secteur privé. L'État exactement pour rendre le secteur privé dynamique. Commençons par le commencement, que l'État soit déjà capable de payer son ardoise par rapport aux entreprises privées. Est-ce l'État doit déjà pas une dépense supplémentaire. Mais non, celui qui paye ses dettes s'enrichit. Si l'État aujourd'hui paye ses dettes vis-à-vis du secteur privé, le secteur privé va être oxygéné et ce secteur privé va donc pouvoir relancer la machine du travail et embaucher des Gabonais qui ont retrouvé la maison par des, de chômage technique et puis faire en sorte aussi que certains Gabonais puissent créer des entreprises. Il y a un autre élément qu'il faut quand même tenir. Nous pouvons dire en tenir compte. Nous pouvons quand même dire que toutes les entreprises qui s'installent au Gabon devraient avoir comme priorité embaucher des Gabonais. Alors, on peut dire que si vous êtes une entreprise installée au Gabon, 80 à 90% de votre personnel devait être des Gabonais. Il faut aussi être dur et ferme en disant qu'aujourd'hui, les marchés de l'État doivent aller vers les entreprises des Gabonais, pas des entreprises des expatriés. Parce que nous ne sommes pas au pouvoir pour faire le bonheur des expatriés. Nous sommes au pouvoir pour faire le bonheur des Gabonais. Donc, les entreprises gabonaises devaient être accompagnées par l'État. Vous avez donc l'impression que c'est le contraire qui se produit? Puisque vous parlez de la gabonisation des postes, ou alors il faut aller. Que pour le moment, c'est le contraire qui se produit. Je dis aujourd'hui, dès lors que la fonction publique pendant 3 ans ne pourra pas embaucher des Gabonais, il faut premièrement payer les entreprises que nous devons pour oxygéner ces entreprises de manière à ce que les entreprises engagent des Gabonais. Deuxièmement, il faut encourager les Gabonais à créer des entreprises et en créant des entreprises, ils pourront embaucher d'autres Gabonais. Et quand ces Gabonais créent des entreprises, il est nécessaire de donner les marchés aux entreprises gabonaises et non aux entreprises animées par des expatriés. Sauf si ces expatriés. Comment cela sera possible si les fonds de financement ne sont pas déjà. Les fonds de financement des microcrédits ne sont pas déjà mises en place, les structures ne sont pas mises en place et quelques structures qui sont mises en place ne fonctionnent pas de manière convenable. Tout à l'heure, je vous ai dit, les technocrates ont été appelés dans des fonctions diverses. Ils ont échoué. Pourquoi? Celui qui fait la politique doit se contenter de faire la politique. Celui qui est technocrate doit amener sa technicité. Les technocrates ont abandonné la technicité pour faire de la politique
et ça menait tout un désordre. Et ce qui existe, il faut améliorer. Je pense tout simplement qu'il faut améliorer, il faut améliorer, il faut améliorer. Et pour améliorer, il faut commencer à mettre de côté des blagueurs, ceux qui viennent aux affaires pour tuer le temps au lieu de mettre en musique le rêve du président de la République. Aujourd'hui, quand trop de blagueurs autour du président. Moi, je dis il y a trop de blagueurs, j'assume ce que je dis. Pourquoi il y a trop de blagueurs. Mais vous savez, vous ne pouvez pas. Et puis frapper. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Je mets entre parenthèses tout ce que nous venons de dire. Le véritable problème du Gabon est d'abord un problème spirituel. Dans un pays comme le nôtre, que Dieu a béni de toutes les richesses possibles, beaucoup de nations nous envient. Même quand les économistes disent que le facteur population est un facteur bloquant parce que nous ne sommes pas nombreux, je dis c'est une bénédiction quand nous ne sommes pas nombreux. Quand vous prenez un pain qu'il faut partager avec 10 enfants, c'est beaucoup minime. Mais quand vous prenez un seul pain à partager avec 2 enfants, c'est encore beaucoup plus intéressant. Voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent que le facteur population, là où nous ne sommes pas très nombreux, c'est une bénédiction dans un pays avec toutes ses richesses. Mais cependant, malgré toutes nos richesses, il y a des grincements des dents, il y a des gémissements. Pourquoi ? C'est parce que nous avons des problèmes spirituels dans ce pays. Donc, il peut arriver que nous, Gabonais, nous avons tourné le dos à Dieu, nous avons tourné au Dieu à nos entités supérieures, et puis nous sommes embrouillés ou envoûtés, en quelque sorte, pour et que ce désordre... Qui doit alors soigner ce côté spirituel ? Mais nous devons prendre conscience que pour réussir dans la gestion d'un État, ou de n'importe quelle entreprise, il faut impliquer Dieu, dans la mesure où la sagesse universelle infinie nous dit que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Dans la mesure où la sagesse infinie et universelle nous enseigne que si nous voulons être une nation heureuse, il est important de hisser Dieu au plus haut niveau. Voilà pourquoi cette sagesse nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Alors, si nous faisons de notre nation Dieu, le roi, il est possible que l'amour commence à régner. Parce que c'est à cause du manque d'amour que celui qui est aux affaires va tenter d'écraser l'autre qui est en face, le voisin. Parce que le manque d'amour ouvre la porte aux esprits du mal. Et les esprits du mal s'imposant au Gabon, alors on s'embrouille malgré toutes les richesses que nous avons. Je vais vous dire, on n'a même pas besoin du FMI pour faire fonctionner le Gabon. On n'a pas besoin de la Banque mondiale pour faire fonctionner le Gabon. On a besoin seulement des hommes épris d'amour du bien commun et de l'amour du prochain, de manière à ce que, et de la bonne gestion, la bonne gouvernance pour gérer ce pays, pour amener ce pays à l'horizon 2025 vers l'émergence. Et 2025, c'est déjà demain. 2025, c'est déjà demain. C'est dans quelques années. Ouais. Alors, monsieur le secrétaire général, les mesures d'austérité, au finish, le gouvernement cherche à économiser 70 milliards de francs CFA. C'est possible. Le gouvernement. Est-ce que c'était la seule solution pour avoir ces 70 milliards de francs CFA au moment où les gens parlent non, au Gabon? Je ne voudrais pas me lancer dans un chiffre de 70 milliards. Le gouvernement, le président de la République, je préfère parler comme ça, parce que le gouvernement, j'aurais pu dire le gouvernement si le gouvernement était capable, parce que dans toute cette batterie de mesures, on a dit. Ils ont dit eux-mêmes, le 21, que parmi les mesures applicables immédiatement, il y avait la réduction de la taille du gouvernement. Donc, à ce niveau-là, nous, au BDC, on s'attendait à ce que les heures qui suivent ou qui suivaient ce communiqué final, le gouvernement soit réduit en nombre. C'est-à-dire qu'ils sont 41. Nous, on a même proposé un gouvernement de 18 ministres avec la suppression de tous les ministres délégués en faisant venir les secrétaires d'État. Donc, on s'attendait d'abord à ça. Avant même d'appliquer les autres mesures, on pensait que le gouvernement avait le courage donc de proposer au président de la République cette démarche. En ce moment-là, il faut aider le président de la République. Si le président de la République montre le cap, vous qui êtes membre du gouvernement, vous vous accrochez au cap que propose le président de la République pour essayer de mobiliser tous les Gabonais autour de ce projet. Surtout que vous savez que vous avez échoué dans toutes les relances économiques, vous avez échoué pour redonner l'espoir au peuple gabonais, vous avez échoué pour donner un peu de dignité au peuple gabonais. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord réduire le nombre des ministres. Et en réduisant le nombre des ministres, toutes les autres mesures devaient être applaudies par tous les Gabonais. S'il y a des Gabonais qui ne soutiennent pas les mesures, c'est parce qu'ils se disent: mais parmi les mesures, il y avait la réduction de la taille du gouvernement. Et ce gouvernement,
Il y a toujours 41 ministres. Et vous vous proposez 18. Et nous proposons 18 avec la suppression de tous les ministres délégués, avec l'arrivée des, des secrétaires d'État. Monsieur le secrétaire général du BDC, est-ce que effectivement l'austérité que nous faisons vous face aujourd'hui... Vous avez posé la question, est-ce que c'était le seul moyen pour avoir... Voilà, le seul moyen pour avoir... Le seul moyen. Non, je pense que c'est un des moyens. Alors, n'étant pas le seul moyen, est-ce que la situation qui est la nôtre aujourd'hui ne serait pas aussi la conséquence de la mauvaise gestion? Permettez-moi l'expression, parce que c'est ce que je voulais dire, on parle de gabégie. Non, quand je dis... Est-ce que cela n'est pas orchestré par la plus haute institution elle-même? Parce que les Gabonais ont dénoncé depuis 2009 l'agencement ou alors la création multiforme d'agences aux côtés des ministères de tutelle ou alors les ministères étatiques. Mais quand, on a par exemple l'Agence nationale des grands travaux. Les Gabonais se posaient la question, quel est le travail spécifique réalisé par cette agence alors que nous avions un ministère de tutelle, le ministère des travaux publics? C'est simple. Je disais tout à l'heure que des gouvernements qui se sont succédés ont échoué. La chose la plus importante aujourd'hui, que nous prenons conscience que nous avons échoué. Et parmi ces mesures, vous avez vu que nous allons réduire le maximum des agences. Donc, les agences qui vont disparaître parce que nous avons pris conscience, nous-mêmes, que ces agences nous causaient du tort. Je pense aussi qu'au-delà de ces mesures de supprimer les agences, de réduire les salaires, parce que nous avons réduit, nous avons augmenté les salaires des fonctionnaires à la veille des élections 2016 en moyenne autour de 30%. On n'était pas obligé d'augmenter les salaires autour de 30% avant les élections présidentielles. Si on les avait augmentés à 10%, on ne serait pas en train de demander de réduire les salaires aujourd'hui. Mais vous savez, ceux qui sont aux affaires autour du président de la République, parfois réussissent. Vous savez, on ne peut pas empêcher le diable de vendre son idée, hein. Le diable a réussi à convaincre Dieu de tenter Job. Donc, le chef de l'État est un être humain. Alors, si le diable utilise certains de ses collaborateurs pour tenter, alors il peut arriver qu'il laisse faire. Mais il est question que nous, Gabonais, nous soyons, nous qui nous considérons comme lumière, il faudrait que nous soyons véritablement cette lumière dans le monde pour éclairer ceux qui sont appelés à gérer notre nation, de manière à ce que, quand il y a plus de lumière, il y a de moins en moins des erreurs, de moins en moins des accidents. Et nous pensons naturellement qu'il faut aussi revenir. Nous crions toujours depuis, nous crions en disant « revenons aux fondamentaux au niveau des régies financières » de manière à ce que ces régies financières mobilisent de plus en plus de fonds au bénéfice du pays. Nous avons, quand en 2012, le BDC a pris position par rapport à la budgétisation par objectif de programme, les gens nous ont traités, les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, mais aujourd'hui nous en sommes où? Nous disons, faisons la politique des moyens depuis 2012. Depuis 2012, nous disons la même chose. Ils ne nous ont pas suivis. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Nous disons, au niveau des régies financières, revenons aux fondamentaux pour que ceux qui ont comme métier de mobiliser les fonds nous mobilise véritablement des fonds de manière à ce que l'État se sente à l'aise dans tous les programmes qu'il initie. Donc aujourd'hui, nous pensons tout simplement que les mesures doivent être acceptées. C'est pour le bonheur de tout le monde, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est pas parce qu'on s'est trompé hier qu'on ne peut pas rectifier aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas de tomber, mais c'est d'avoir la capacité de reconnaître ses erreurs et de se relever. C'est ça le plus important. Et le président de la République est en train de montrer qu'il est en train de prendre les choses en main pour amener le pays vers une posture particulière. Vous revenez à chaque fois sur le président de la République, oui. C'est vrai. C'est la tête de l'administration gabonaise, oui. C'est la clé de voûte des institutions. Oui. Alors, est-ce que le président de la République lui-même aussi a manqué un peu de clairvoyance dans ce qui se faisait autour de lui? Parce que si on venait à me proposer un ministère de l'égalité des chances à côté d'un ministère des affaires sociales qui existe depuis les années 70, à mon niveau, j'aurais pu dire non, que serait alors le travail du ministère des affaires sociales si on doit créer le ministère de l'égalité des chances? Parce qu'on ne voyait pas la distinction, on ne voyait pas la démarcation en termes de compétences.
vous aussi, le ministère des Affaires sociales s'occupe des problèmes sociaux. L'égalité des chances pouvait jouer aux gendarmes, à la police, pour voir si, dans tous les secteurs du pays, les équilibres sont respectés. Non, pas du tout. Il est important de donner toutes les chances à tous les Gabonais, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur formation, quelle que soit leur origine. Et moi, de mon point de vue, le ministère de l'égalité des chances aurait pu jouer un grand rôle dans le sens de la police pour faire en sorte que, dans ce pays, c'est pas parce que vous n'avez pas dans votre lignée un grand nom que vous pouvez pas accéder à une fonction importante. C'est pas parce que vous n'avez pas été capable d'être docteur dans un domaine bien précis que vous pouvez pas accéder à une fonction. C'est pas parce que vous n'êtes pas né avec une cuillère en or que vous pouvez pas accéder à une fonction. Donc l'égalité des chances, c'est, je pense, aurait pu jouer le rôle de la police et de la gendarme, de la gendarme. Aurait pu être une direction du ministère. Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Un budget supplémentaire. Mais non, c'est pas dans ce sens. Moi, je défends. Ce ministère, dans la mesure où je pense que ce ministère pouvait travailler de manière transversale, un peu en retrait, pour observer les autres et voir si les équilibres sont respectés de manière à ce que chaque Gabonais accède au mieux-être. Je pense que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut raisonner. Je suis par exemple favorable au ministère des Gabonais de l'étranger. Je suis contre quand le ministère des Gabonais de l'étranger va être greffé dans un autre ministère. Nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir un ministère des Gabonais de l'étranger pour que les Gabonais qui sont hors d'un autre pays aient un ministre qui s'occupe de leur vie hors du pays. Donc ça dépend de comment on manage les responsabilités. Les Gabonais pensent que ce genre de ministère a été tout simplement mis en place pour satisfaire un camp, parce que depuis un temps, on remarque que le ministre de ce département ministériel est toujours d'un bord politique, on ne citera pas le nom ici. voilà les récriminations qui sont faites contre le président de la République, parce qu'il y a eu trop de créations des surcharges. Non, bien au contraire. Nous pensons, aujourd'hui, le Bloc démocratique chrétien propose un gouvernement de 18 ministres. On supprime tous les ministres délégués. Et on propose aussi 9 secrétaires d'État, un secrétaire d'État par province. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si une telle proposition arrivait à passer, donc la reformulation donc, des ministères va pouvoir changer. Et je pense tout simplement que ce n'est pas dans le sens où il faut reformuler telle ou telle chose. Nous devons mettre tous les Gabonais au travail. Nous devons lancer un nouveau départ pour une nouvelle espérance. Et nous pensons que les Gabonais doivent comprendre tout simplement que le premier employeur, certes, c'est l'État, mais l'État doit mettre toutes les mesures pour que le secteur privé arrive à accompagner les autres Gabonais qui ne sont pas fonctionnaire. Et en ce moment-là, moi qui vous parle, je n'ai jamais été fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire, ce n'est pas pour autant que je vais pouvoir me plaindre. J'estime tout simplement que l'État a l'obligation de faire en sorte que le secteur privé soit fort pour que ce secteur absorbe le maximum des Gabonais qui sont à la recherche d'un emploi. Nous rappelons aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Vous pouvez réagir uniquement par SMS et nous allons exposer votre SMS, mais dans le but de contribuer, pas dans le but de dénigrer ou dans le but d'insulter qui que ce soit. C'est une émission. Nous sommes là pour décrypter l'actualité sur le redressement des finances. Est-ce que la mesure était la bienvenue ou alors est-ce qu'il y a eu un torse au niveau même de la mise en place de ces mesures d'austérité? Alors, monsieur le secrétaire général exécutif, je reviens vers vous. Comment peut-on réduire ou assainir les finances publiques lorsque, par exemple, vous prenez au Conseil des ministres d'avant-hier, vous regardez la composition même de l'équipe de la primature, le Premier ministre, les conseillers du Premier ministre, il y a 13 femmes, il y a 26 hommes attachés de cabinet. Vous avez 3 hommes, vous avez 3 femmes, 5 hommes. Chargé de mission, 16 hommes, 4 femmes. Secrétaire technique, 16. Conseiller à la primature, 16 hommes et femmes. Attaché de cabinet, 20. Là, je n'ai pas tout cité, je n'ai pris qu'une partie de ce que le Conseil des ministres d'avant-hier dit. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un effort de vouloir redresser les finances publiques d'un côté et de l'autre côté
il y a des pesanteurs. C'est-à-dire, c'est comme si on fait la chose et son contraire en même temps. C'est quoi votre question? Tout le monde sait que le Premier ministre s'est débarrassé depuis de 50% de ses collaborateurs. Mais mon Dieu, il y a une évolution considérable dans le sens de la mesure qui a été arrêtée le 21 juin. Plus de 50% du personnel de d'Appomattox a été sorti de ce département. Le cabinet 20, pour quoi faire? Mais ça veut dire que est-ce qu'on avant, pourrait pas descendre à 5? C'est une possibilité, mais je vous dis déjà qu'on a commencé par déjà réduire à plus de 50% l'Appomattox. Donc il y a des économies qui se font ressentir forcément de ce côté. Si l'État dépensait avec le cabinet du Premier ministre 100 francs, en réduisant donc ses effectifs de 50%, l'État désormais va pouvoir dépenser 50 francs. Et là, il y a des efforts considérables qui se font remarquer. À la présidence de la République, c'est la même chose. Nous avons constaté que le président s'est débarrassé de près de 50% aussi. Pour la présidence de la République. Donc, je vous dis, s'il s'est débarrassé de près de 50% lui aussi, là aussi, si l'État dépensait 100 francs pour le personnel de la présidence de la République, en se débarrassant donc de ces personnes-là, de ces personnels-là, à la présidence de la République, l'État dépensera désormais 50 francs. Il y a des efforts considérables. Donc, ne me dites pas 20, 30, 40, ils ont réduit, c'est bien. Moi, je pose le problème, c'est qu'on a dit immédiatement qu'il fallait réduire la taille du gouvernement. Je pense qu'en français facile, la taille du gouvernement, c'est le nombre des ministres. Il fallait aussi, et avant tout, d'abord, réduire le nombre des ministres. Ça devait faire un peu bien pour tous les Gabonais qui devaient, je vous assure, si on avait commencé en réduisant... C'est la seule mesure qui n'a pas d'effet immédiat, la réduction du gouvernement. Mais malheureusement, dans le communiqué, relisez bien le communiqué du 21 juin. Il parle bien de la réduction. Il parle bien de la réduction de la taille du gouvernement. Oui, voilà. Et le communiqué conclut que ces mesures ont un effet immédiat. Il commence mais même. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est la raison pour laquelle je vous dis. Le gouvernement n'est pas réduit. C'est la raison pour laquelle nous vous disons au BDC que le gouvernement aurait eu le courage de faciliter la tâche au président de la République. Au lieu de s'accrocher, il devait avoir le courage de faciliter la tâche au président de la République en proposant au président de la République un gouvernement réduit en nombre, en termes de nombre de ministres. Et en ce moment-là, les autres mesures devaient être applaudies de tous les Gabonais. C'est à cause de cette mesure-là que les postures sont différentes. Si cette mesure avait été respectée, je suis sûr que 99% des Gabonais devaient applaudir de demain. Mais malheureusement, comme les gens aiment faire comme ils le font pour détruire l'action ou l'élan du président de la République, c'est au président de la République de tirer les conséquences de ses amis qui ne mettent du sable que dans le moteur du train de l'émergence. Et plus on met le sable dans le train de l'émergence. Mais qu'est-ce qui empêche aussi dans ces conditions au président de la République de frapper du poing sur la table? Le Conseil des ministres dit que les décisions ont un effet immédiat. Et en ce moment-là, autrement dit, le président de la République doit intervenir dans ces conditions. Oui et non. Voilà pourquoi les Gabonais sont en question sur le caractère sérieux mais le de ces mesures. Le président de la République, en laissant passer un tel communiqué, en demandant la réduction de la taille du gouvernement, observe, regarde. Et c'est à nous, les Gabonais, de juger maintenant ceux qui sont en responsabilité, de prendre leur courage à bras le corps pour réduire le gouvernement. Le président de la République, comme un père, peut dire « voilà ce que je veux » et observe comment les enfants se comportent. Et puis, il voit que les enfants préfèrent mater les cousins et les cousines, mais eux-mêmes s'accrochent à l'essentiel. C'est une parenthèse. Donc, je dis, à temps opportun, je n'ai pas de doute, le président va pouvoir taper du poing sur la table, mais pour l'instant, il était donc du ressort du chef du gouvernement de proposer au président de la République une réduction considérable des effectifs. Ces mesures d'austérité, le secrétaire général, il y a un problème aussi qui se pose, lequel étant ailleurs décrié par les Gabonais, celui de la procédure. Beaucoup de Gabonais pensent que l'État s'est revêtu de son veste, de son costume, autant pour moi, de prérogatives de puissance publique pour faire un passage en force. Permettez-moi l'expression, je reprends les expressions qui reviennent de manière courante. On accuse l'État de faire un passage en force, d'être revêtu de son costume de prérogative de puissance publique, de la puissance publique, alors que l'État aurait pu convoquer sur la table des négociations ou des pourparlers tous les secteurs de la société,
d'abord les partenaires sociaux afin d'en débattre, faire d'abord l'économie de ce qui a été dans les caisses de l'État durant des périodes bien précises. L'État ne l'a pas fait, les partenaires sociaux et l'ensemble des Ghanais constatent tout simplement des mesures qui sont certes à la longue, qui peuvent porter, mais des mesures drastiques. Donc les Gabonais parlent de l'entorse à la procédure. Est-ce que vous lisez aussi la chose de cette manière? Là, vous voyez, c'est une question de management. L'État a le pouvoir. La profession de l'État ou de ceux qui sont au sommet de l'État, c'est diriger. Ce qui dirige nous amène vers une direction. Donc voilà pourquoi on parle des gouvernants et de gouverner. Il est bien vrai qu'en démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et que le peuple devait influencer la manière de gérer la nation. Mais il est aussi bien vrai que celui qui dirige, c'est celui qui montre le cap. C'est celui qui fait en sorte que je prends mes responsabilités pour vous amener vers la direction que je juge meilleure pour tout le monde. Donc l'État pouvait effectivement discuter avec les partenaires sociaux et l'État n'était pas obligé aussi de discuter avec les partenaires sociaux. Ce qui est là, c'est une question d'approche, c'est une question de management. L'État a pensé aller très vite, mais en allant très vite, nous, au BDC, nous estimons qu'il fallait commencer par la réduction du nombre de ministres, tout simplement, sans attendre les élections. Parce que tout simplement, pour être en phase, veuillez m'excuser, pour être en phase avec ces mesures, parce que si nous, on attend les élections pour réduire le gouvernement, alors nous disons, on pouvait aussi donc attendre les élections pour réduire les salaires des fonctionnaires. Donc, même si on a réduit le nombre des effectifs, bon, ces Gabonais qu'on enlève à la présidence ne vont pas immédiatement dans le chômage. Ils retournent à leur administration d'origine. Ces Gabonais qu'on enlève à la prémature ne vont pas en chômage. Ceux qui sont fonctionnaires, ils repartent à leur administration d'origine. Donc, nous disons ici que c'est une question d'approche, c'est une question de management. Et ceux qui sont en responsabilité ont pensé que, je suis sûr, qu'avant de prendre cette décision, ils ont peut-être discuté avec... on n'est pas obligé de médiatiser toutes les discussions. Mais maintenant, les gens sont habitués à faire en sorte que, avant que l'État ne fasse telle ou telle chose, il faut d'abord venir discuter. En ce moment-là, si vous n'êtes plus capable de conduire le peuple, vous n'êtes plus capable de diriger, vous démissionnez. Donc, le peuple suit ses dirigeants. Et il y a un côté des gouvernants, il y a de l'autre côté des gouvernés. Et les gouvernants nous amènent tous dans la direction qui semble être la meilleure selon leur raisonnement. La meilleure, mais le point de vue de certains partenaires sociaux, ils pensent que entre 2009 et 2015, le prix du baril a augmenté, il y a eu des devises assez suffisant dans l'État, dans les caisses de l'État. Et que l'État a investi cet argent dans ce que ses partenaires sociaux parlent de loisirs, 900 milliards pour la CAN et autres, New York Forum et le reste. Ses partenaires sociaux pensent que l'État a esquivé le fait de se retrouver sur la table afin d'en débattre parce que l'État se reconnaît comme étant fautif dans la gestion dans la période précitée. Autrement dit, quand il fallait donc outrepasser le point de vue des partenaires sociaux. Voilà ce que ces partenaires sociaux pensent. Quand vous êtes responsable, vous dites, je veux amener mon entreprise ou mon pays à tel niveau. Vous hiérarchisez les besoins. Vous identifiez les besoins. Ensuite, vous hiérarchisez les besoins. Et en hiérarchisant les besoins, si ceux qui étaient en responsabilité ont estimé qu'il fallait mettre en avant la CAN pour permettre aux jeunes de rêver, parce que on peut être multimilliardaire en étant un très bon joueur de foot que d'être président de la République. Alors, l'État a pensé qu'il fallait mettre en valeur, mettre en évidence donc les différentes CAN que nous avons organisées. C'est un problème de choix et ils ont choisi de mettre en évidence les CAN et nous pensons tout simplement que peut-être que ces grandes compétitions de foot organisées au Gabon ont permis à certains Gabonais de rêver d'être comme Pierre-Emerick, d'être comme Mbappé, comme beaucoup d'autres joueurs,
parce qu'on peut être multimilliardaire à travers le sport, à travers le foot en particulier. Donc, c'est un problème de choix. Donc, peu importe celui qui est aux affaires, il fera toujours des choix. Et que ce soit vous ou une autre personne, quand vous arriverez un jour, je vous le souhaite, au sommet de l'État, vous allez pouvoir faire des choix. Et des choix peuvent être bénéfiques ou pas, mais il est fait à un moment bien précis, en fonction des circonstances que nous voyons, et puis ça peut être des bons ou des mauvais choix. Mais là, c'est le passé. Le passé, c'est passé. Aujourd'hui, nous vous parlez de le prix de baril de pétrole qui avait grimpé, mais vous avez oublié de noter que nous avons traversé plusieurs années aussi avec un prix de baril de pétrole qui nous a fait ramper quand même autour de 30 et peut-être même moins de 30 dollars le baril. Donc, je dis tout simplement que c'est un problème de choix, c'est un problème de management, c'est un problème où, quand vous avez une vision, vous identifiez les besoins, et après identification, vous hiérarchisez et vous dites, je commence par ceci, je commence après ça, et après, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que l'on fonctionne. Maintenant, on ne peut pas empêcher aux gens qui ont des cerveaux de réfléchir autrement. C'est la raison pour laquelle nous sommes différents comme les cinq doigts de la main. Les cinq doigts de la main sont ensemble, mais les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas. On ne peut pas donc dire ici... Monsieur le secrétaire général, oui, du BDC, oui, l'émission interactive, il y a quelques messages qui, oui, arrivent. Oui. Monsieur Messi Junior dit que ces mesures sont légitimes, mais la question est de savoir si elles seront appliquées à 100%. Je pense que ces mesures seront cette fois-ci appliquées à 100%. C'est la raison pour laquelle le BDC demande à ce que le gouvernement nous dise, secteur par secteur, quelles sont les économies retrouvées pour que nous puissions avoir une certaine visibilité ou lisibilité de ce que l'État gagne, par exemple avec la mesure de la présence de la République. Nous avons gagné combien en termes de francs CFA? Avec la réduction de moitié à la primature, nous gagnons combien en termes de francs CFA? Ainsi de suite, avec la suppression d'un certain nombre de postes dans les différents ministères, nous gagnons combien? Et c'est bien que le gouvernement communique là-dessus pour que l'on sache effectivement que ce gouvernement que nous décrions déjà, parce que ce gouvernement n'était pas capable de respecter la décision du 21 juin, soit capable de nous dire combien ils ont fait en termes d'économie dans tous les secteurs, de la présidence jusqu'au bas de la pyramide. Alors, un autre téléspectateur dit, bonsoir sur le plateau, pourquoi les personnes qui sont responsables de cette situation sont toujours aux commandes de l'État? Pourquoi Ali Bongo ne ferait pas comme Donald Trump, c'est-à-dire refuser le salaire vu qu'il est milliardaire? Cela montrerait son sérieux. J'ai pas de doute. Ce matin, j'étais en direct dans une télévision dans le net. Je disais que, à ce qui me concerne, j'ai pas de doute que le président de la République entre dans quelques jours ou dans quelques mois, se contente de vivre avec ses propres biens. Je crois que Ali Bongo est capable de vivre sans prendre le salaire. Ça, je suis presque convaincu qu'il va le faire. Depuis 2009, dans les journaux, on parle beaucoup de gabegie. Ce mot est revenu plusieurs fois dans, ouais, les journaux. Dans tous les pays, le mot-là existe. Les Gabonais, ou alors, on accusait le président de la République de ne pas contrôler suffisamment les dépenses de l'État. On parlait de gabegie. On est allé jusqu'à présenter même le nombre de voyages qu'il a effectués en un an. Aujourd'hui, les mesures sont sur la table. Certes, les mesures sont légitimes, mais les Gabonais se posent la question, est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette gabegie? Bon, gabegie, dans tous les pays du monde, on parle de gabegie. Donc, à ce qui me concerne, je pense tout simplement que chacun doit se mettre debout et travailler de manière à ce que nous puissions avoir une certaine prospérité et que cette prospérité soit une prospérité partagée. Maintenant, gabegie, dans tous les cas, dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Et je vous dis tout simplement que aujourd'hui, restons figés sur le présent et le futur. Le passé, c'est le passé. Ali Bongo Ondimba nous amène dans une
nouvelle dimension en changeant de paradigme et nous voyons les choses bouger. Nous voyons 50% du personnel de la présidence renvoyé à leur administration d'origine. À la primature, c'est la même chose. Et nous espérons que dans les jours qui suivent, le gouvernement sera réduit de moitié. Et ensuite, nous pensons aussi que, moi, j'ai pas de doute, que Ali Bongo soit capable de dire, chers frères et sœurs, pour les 2 ans ou les 3 ans à venir, je me contenterai des missions officielles, je me contenterai de travailler convenablement, sans forcément prendre le salaire. Les partenaires sociaux demandent aussi que l'audit soit fait sur les baux administratifs au Gabon. Il se pourrait que l'État gabonais est locataire chez lui et que cela coûte cher à l'État. Je suis d'accord, c'est ceux qui sont en responsabilité qui doivent comprendre que, par exemple, un ministère ne doit pas être locataire, tout simplement. Il faut donc, encore là, c'est une question de choix. Il faut que l'on choisisse dans quelle direction on veut aller pour que le gouvernement commence à construire une cité gouvernementale pour loger tous les services de tous les ministères. Voilà, c'est une possibilité et tout est faisable, tout est jouable, rien n'est impossible, c'est une question de volonté. Les mesures sont là, certes. Les mesures ont une portée qui vise donc à relever, à assainir les finances publiques afin de retrouver les équilibres macroéconomiques. Mais je reviens aussi sur... je suis dans la même longueur d'onde que ce téléspectateur, Messie Junior, sur l'applicabilité de ces mesures. Lorsqu'on regarde déjà qu'à l'entrée, une des mesures, alors que le communiqué final signale que les mesures ont une applicabilité immédiate. Aujourd'hui, le gouvernement est toujours en place, il n'est pas réduit. Est-ce que déjà ce petit fait-là ne montre pas déjà l'allure que pourrait prendre l'applicabilité effectivement de ces mesures? Sur cette question, c'est le Premier ministre qui est devant ses propres responsabilités. C'est à lui de nous montrer que, tout simplement, être avec le chef de l'État, c'est commencer à respecter ce que décide le président de la République. Sur le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien, il nous reste quelques 2 minutes. Je vais vous donner 1 minute de parole pour votre mot de la fin. Merci pour mon petit mot de la fin. Je voudrais dire tout simplement que nous félicitons le président de la République qui tente de relancer le pays et qui tente de sauver ce qui est encore sauvable. Mais tout en prenant ces mesures, nous souhaitons fortement nous obéir. Premièrement, que nous puissions regarder ensemble la mesure qui consiste à renvoyer immédiatement des hommes et des femmes qui sont malades à la retraite, alors que nous savons que les pensions retraite sont celles que nous connaissons. Si un homme ou une femme, chef de famille monoparentale, est malade et renvoyé immédiatement à la retraite avec une pension maigre, et si ce monsieur est père d'une nombreuse famille à bas âge, alors sa progéniture, que font-on de cette progéniture? Le Gabon est un État social et nous, Bantous, la solidarité est nécessaire. Quand l'État ne peut plus accompagner ses citoyens, il n'y a plus d'État. Il est peut-être bon de regarder cette mesure. Nous, au BODC, nous pensons que les gouvernements qui sont succédés ont échoué au niveau de la relance économique. Et le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités pour se défaire des hommes qui ont échoué. Il n'est pas important de garder sur le terrain ceux qui ne sont pas capables de marquer des buts. Et maintenant, aujourd'hui, nous estimons que ces mesures doivent être appliquées pour nous faire gagner un peu d'argent et encourager le secteur privé pour que ce secteur privé puisse embaucher des Gabonais, de peur que la rue n'embauche des hommes et des femmes qui ne pourront plus devenir des fonctionnaires demain. Alors, si le secteur privé est alimenté, soutenu, et que les Gabonais trouvent leur travail dans le secteur privé, nous sommes sûrs que la rue ne pourra pas donc embaucher les Gabonais. Et en ce moment-là, le pays peut avancer en toute sérénité. Et nous pensons aussi que tous les Gabonais devaient donc se mobiliser pour soutenir les mesures du 21 juin dernier, parce que ces mesures sont pour l'intérêt supérieur de la nation. Ces mesures ne sont pas là pour faire du mal aux uns et faire du bien aux autres. Bien au contraire, ces mesures sont là pour faire en sorte que notre pays, qui est à genoux, se relève et marche vers
une prospérité partagée dans la paix, le développement et le partage. Merci, monsieur le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien, mais je vais vous titiller un tout petit peu. Si le gouvernement de 18 ministres que vous proposez, le BDC rentrait, est-ce que le BDC va marquer les buts, puisque vous parlez de marquer les buts à côté du président de la République? Mais il y a assez de gens pour marquer les buts. Mais c'est une question que je ne peux pas répondre dans la mesure où le BDC n'a jamais été appelé pour ces gens. Si. Bon, quand vous parlez au conditionnel, mais si ça arrive, vous marquerez les buts. On constatera à ce moment-là. C'est même au pénalty. On constatera en ce moment-là. De toutes les manières, nous sommes une lumière. Nous estimons qu'à chaque fois que le BDC n'est pas quelque part, nous sommes presque convaincus que le voyage ne sera pas toujours bon. Parce que quand vous voulez voyager, il faut vous faire accompagner, même d'une lampe torche. À chaque fois que vous traversez les ténèbres, la lampe torche vous montrera au moins le chemin. Merci, monsieur le secrétaire exécutif du BDC, Guy Christian Mavioga. C'est lui que nous recevons, on recevait ce soir à l'émission Le Politique. C'était donc pour débattre et décrypter et voir la position du Bloc démocratique chrétien sur les mesures d'austérité que le gouvernement de la République a pris il y a une semaine. Et ces mesures visent donc à redresser, sinon à assainir les finances publiques afin de retrouver les équilibres macroéconomiques. Nous recevons donc, je le dis à nouveau, Guy Christian Mavioga, secrétaire général du Bloc démocratique chrétien. Dans les tout prochains jours, ce sera un autre acteur de la société civile ou alors du monde politique qui sera notre invité. Merci de votre attention à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous dans les tout prochains jours.